Et bien le bonjour les amis, bienvenue sur Pèrelagalère Gaming, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée, que votre rentrée, pour ceux qui sont retournés à l'école, s'est bien passée. Alors je sais bien que c'est pas ton cas K.O., enfin pas pour le moment en tout cas, enfin je crois, je sais que tu as livé à une heure là aujourd'hui, mais du coup c'était très bien, juste j'ai pas pu rester super longtemps parce que ma femme est pas très bien en ce moment, mais du coup non c'était très plaisant, puis j'aime bien Bayonetta donc et ça me permet de le voir. Alors j'ai continué en replay, je continuerai en replay juste derrière parce qu'en fait je l'ai jamais fait Bayonetta, et je sais que c'est plutôt pas mal. Et ouais, pour toi c'est la semaine prochaine, c'est vrai c'est la semaine prochaine effectivement. J'espère que tout le monde va bien en tout cas, que vous avez passé une très bonne journée. On est reparti sur avec notre ami Sakai. Bien sûr, on met une veste et après ça passe easy cacahuète. On va se mettre en plein écran ici comme ceci. Je vais me remettre le chat juste devant et on va partir pour une heure et demie, 2 heures. On verra un petit peu ce qu'on a envie de faire et puis ma foi tranquillement. On va continuer l'aventure principale aujourd'hui. Quelques quêtes secondaires mais pas des masses. On a des points d'intérêt à aller voir un tout petit peu. Elle est agréable à regarder, oui c'est vrai. Et n'hésitez pas les amis à aller voir la chaîne de notre ami K.O. Et il fait pas mal de jeux, et puis là il a changé ses horaires, donc essayez de voir un petit peu. Je crois que c'est à 1h et puis après ce sera à 17h. Salut mon Dark Sword Master, comment tu vas? Est-ce que tu es en forme et est-ce que tout va bien pour toi? Et toi du coup la rentrée c'est quand? C'est demain. J'ai mis le lien de la chaîne de K.O. Hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais tous ceux qui sont ici généralement le connaissent très bien puisque ça devient c'est quand même un pilier de la chaîne maintenant. Donc à chaque fois qu'on lance, il y a toujours K.O. dans le coin. Donc j'en suis très content et je t'en remercie du coup. Et salut mon Hudson, comment tu vas? Bienvenue les amis. Alors on passe par la carte. Comme ça je vous donne le programme. Il y a un petit point d'intérêt qu'il y a ici. On va aller le prendre. Alors je sais qu'on a des quêtes secondaires ici. Il y a notamment celle-ci et ces trois là, mais en fait on va faire la quête principale, on va remonter voir le frère de Yuna qu'on a libéré la dernière fois, donc c'est un forgeron. Donc on va voir un petit peu et après on grimpera là par ici pour essayer de choper l'arc-long en fait et avoir la récompense. Du coup avec l'arc-long et puis bien sûr le sensei et l'élève qui est assez sympa aussi à se faire. Bah je sais mon Hudson, je sais bien. C'est compliqué ouais. C'est compliqué, courage à toi mon Hudson, je suis de tout cœur avec toi. Alors ça va, et ma rentrée c'est jeudi. D'accord, découverte des profs et vendredi premier cours. Ok, d'accord. Eh bien, bon courage à toi pour tous ces préparatifs. En attendant, je suis content de te compter parmi nous quand on part en live, bien sûr. Alors du coup, on a la découverte, fais voir. Voilà, c'est par ici. Allez hop. On va passer comme ça, on va essayer de découvrir le lion. On avait, souvenez-vous, hein, on avait libéré cet endroit-là déjà. Donc la dernière fois. Et puis on va continuer un petit peu dans les quêtes. Mais principal cette fois, ça changera un peu. Par contre, des fois il y a des bruits qui sont un peu bizarres. Dites-moi si le son est bon pour vous les amis. Et puis oh, regarde-moi si c'est beau là-bas en face. C'est terrible. Alors on va voir si on est dans le bon sens. Je crois qu'on est dans le bon sens. Ouais. Mais regardez-moi un peu ça là, avec toutes ces fleurs là. Il est quand même de toute beauté ce jeu. On peut pas le nier. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas ils ont fait quelque chose de très joli et très propre. Moi spécial, je suis fan, hein. Vraiment, très bon jeu, mais bon, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais il faudrait être difficile pour pas que ça plaise en fait, je pense. Alors où est-ce qu'on est? Tiens, on a quelque chose à cueillir ici, on va aller le prendre. Et ah punaise, on a un terrier du renard, génial. Ça c'est très bien pour nous. Allez, on va le suivre. Salut mon copain. Allez hop. Alors parce que tu vois, ton Hudson est compliqué, il faut un CDI temps partiel en vente non alimentaire et dans un endroit desservi par un bus qui part de mon village. Et ouais, non, en fait c'est pas difficile, c'est que tu as des impératifs en fait et du coup c'est comme ça. Coucou Lyon, comment tu vas? Bienvenue mon frérot. Allez, on va suivre le renard. Ah, si je m'écoutais, je vous aurais livé toute la journée, les amis, mais c'est pas possible. Alors, attends, fais voir le renard. On va prendre la fleur qu'il y a ici, et puis on arrive vers toi tout de suite. Il est où? Mais... Ah, il nous a fait faire le tour, tu sais. Tranquille. Alors... Allez, ouais, il va falloir... Eh ben, il est juste là, regardez. Eh bien, ça va très très bien, pour moi en tout cas. Amandine est un peu plus malade, là, aujourd'hui. Donc c'est un peu plus compliqué, mais bon. Et je t'avouerai que je suis pas en... je vous avouerai ne pas être en grande forme. Mais ça va. Et non, pas de news de la première journée de Master. Je sais que j'ai des news de fans de Subnautica. Qui il est gentil, j'adore ce fan, mais tu vois, ils sont tous en cours avec des téléphones et des tablettes, ils regardent tous YouTube, donc comment leur expliquer que c'est pas le but, ma pauvre Lucette. Allez, on va prendre celui-ci, puis après on se téléportera juste ici, et on viendra bien sûr continuer la quête principale qui se passe par là, dans ton camion Ben. Ok, allez. Hop, c'est par là. Et du coup, ouais, forcément, ils vont leur supprimer, ils vont restreindre les... Bien sûr, bien sûr qu'ils vont tout restreindre, ils ont des... C'est normal, enfin, je pense, je trouve, je crois. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, on va passer comme ça, là, parce qu'à mon avis, ouais. Alors, voilà, ça ira mieux si on passe dans ce goût-là. On va faire le tour, tout simplement, on va aller les soulever derrière, en cas. On va reprendre un petit peu l'habitude. Petite question pour vous, et c'est vrai. Bah oui, mais t'es parti de... Enfin, t'étais au paradis, quoi. T'es parti du paradis pour aller en enfer, et puis je sais pas ce qui s'est passé sur le chemin, faisant pan-pan. Alors, fais voir, on va lui parler quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? J'ai vu un homme, monseigneur. Il faisait tournoyer son épée, comme s'il se battait seul sur les plages de Tsutsu. Ah oui, quand même. Est-ce un survivant? Il est pas bien, le monsieur. Ou un bandit? Je l'ignore. Mais il me semble qu'il pleurait. Alors, on va regarder où est-ce que c'est sur la carte, mais par contre, on va pas s'y rendre, hein, les amis. Où est-ce qu'ils nous l'ont fait popper, ça? Je sais pas. Je sais pas, sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, je l'ai pas là, bizarre. Bah, peut-être il popera plus tard, des fois tu sais pas. Ok, allez, lieu mentionné, mise à jour. On va attendre un peu, on va continuer, puis il va certainement popper comme ça vite fait. Il faisait du Bayonetta en fait, Lyon, KO ce midi, enfin à 1h, et du coup c'est pour ça qu'il te dit ça. Ok. Ah, petits osios, regardez, on va y aller. Ça devait être par là, en fait. Oula. Ouais, mais je vais me péter les deux jambes, là, non? Non? Ok. Non, pas du tout. Eh, vous avez vu la belle roulade? Du coup, il est où l'oiseau? Petit oiseau? Petit oiseau, toi qui n'as pas d'aile, je sais pas où il est. Sérieux? Ah, il est là-bas, d'accord, c'est bon. J'avais vu, bah si t'avais pas vu. Ah, là-bas, ça se... Ah mince, mais il tue tout le monde. Mais... Attends, on va l'essayer de voir. Mais ils se tuent entre eux, en fait. C'est ça qu'ils font, ou je rêve? Ah, je crois, hein. Non? Ouais, on dirait. Attends, fais voir. L'autre, il... Attends, mais viens ici, petit Gonzalez. C'est ta maman qui te dit ça, bien sûr. Voilà. Ah oui, maintenant on peut. Maintenant on peut, les gars. C'est vrai, on avait pris l'évolution. Voilà. Oh, le coup de pied pour casser le bouclier, regardez un petit peu. Ah, c'était trop stylé, les mecs. Mais c'était super stylé, ça. Merci, mon KO. À la tienne, mon KO. Mais c'était super stylé, ce truc-là. Hmm. Allez hop, on l'a vu juste là-bas, là. Le truc du Zozio. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bambou d'entraînement. Ah ouais, ouais, c'est pas terrible ça, j'y arrive jamais. Allez, on va se faire le bambou d'entraînement, les amis. Alors. D'accord. Mais oui, mais oui, c'est bien. Mais on y est arrivé. Ah non, mais faut pas déconner. Ah ouais, trop lent, mais ouais, mais tu m'étonnes. Ok. Ah oui, non. Mauvaise touche, ok. C'est... il nous en manque que deux, hein. Il nous en manque deux à passer. Aouh, il en manque plus qu'un. Yes papa. Yes papa. Allez, on fait de la découpe de sushi les... Eh non mais t'es sérieux. Mais ça va pas la tête. Alors attends, ça va être dur. L1 c'est lequel déjà? Parce que là dans les précipitations tu vois. Mais c'est impossible à faire. Ah, oh, il nous en manque. Il nous en manque. Ah ouais non, je me suis trompé. Ah ouais, il nous manque le L1, j'arrive pas à passer le L1, fais voir. Eh, le L1, on l'avait presque, hein. On l'avait presque, les amis. Ah non, je l'ai pas, j'y étais plus. Désolé. Non, c'est... Alors, on va pas y rester 2 ans, mais... On y est presque, les amis. Aïe. Allez. Ah, mais non, t'es sérieux, on y était presque. Ouais, on bloque sur la dernière, hein. C'est pas croyable, hein. C'est tellement dur. Allez. Ah, la dernière, il me la coupe pas, t'es sérieux, je l'ai pourtant. Hein. Ouais, il veut pas la dernière. Hein. Ah non, je l'ai pas, je me suis trompé. J'ai fait le bourricot. Ouais, on va pas passer l'heure dessus, mais... Ouais, il veut pas la dernière. Vous avez appuyé sur une mauvaise touche, je crois pas, moi. Ouais, parce que je continue à appuyer en fait. D'accord, j'ai compris. Ouais, j'en ai fait une de trop. Oh, c'est pas possible. Il veut pas. Je sais pas pourquoi il veut pas. Bon, on va sortir de là, on va pas passer... Non mais sors. Mais t'es sérieux? Mais oui, j'ai appuyé sur aucune touche. Allez, sors-moi de là. Non. Lève. Pourquoi on peut pas sortir? T'es sérieux? Il est sérieux, on peut pas sortir. Ouais. Bizarre. Bizarre qu'on puisse pas sortir le lendemain matin, c'est ça. Je l'ai pourtant, hein, c'est déconné. Hein. Je l'ai, hein, j'appuie. Hein. Ouais. Non, t'y es. Hein. T'y es, mais il veut pas en fait. Bloqué, faut réussir, ouais, c'est ça, j'ai l'impression. Merde. Mince, zut. Mais, attends, mais sérieux, tu peux pas sortir de là, mais t'es sérieux ou quoi? Ah ouais, mais peut-être, hein, peut-être que tu peux pas en fait. Ah si, c'est bon. On n'a pas réussi à couper le dernier bambou, c'est pas grave avec des cailloux. Allez, fais voir. Du coup, là, on va repasser par la carte, les amis. Est-ce qu'on se fait le truc qui est juste là? Et après, on grimpe là, ouais, je crois. Hein. On a un camp qui est par là. Enfin, si c'est un camp. C'est fermé. Ah ouais, c'est fermé. Il y a la porte, elle est fermée, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre pas, c'est ça? Il nous faudrait quelque chose pour escalader en fait, ça on n'a pas. Il faut qu'on le fasse prochainement. Donc c'est pour ça que je voulais aller voir le forgeron en fait. Est-ce qu'on peut grimper par là? Non, tu vois. C'est bien ça le problème. Assez vite peut-être pour le dernier. Peut-être, ouais, peut-être. On réussira un de ces quatre. Si jamais on y retourne. Alors du coup, on va... Fais voir, regarde. On va aller là. parce qu'il nous faut se faire un outil pour escalader, et je pense que maintenant ça va être très très utile. Donc on va y aller directement, puis on reviendra voir un petit peu tout ça un petit peu plus tard. Mais vraiment on reviendra parce que le bambou, tu vois, c'est marqué dessus, donc comme le port-salut. Non, ce qu'on peut faire par contre, c'est ça, je suis bête. On peut venir là. Tu vas voir. Voilà, on va faire un petit voyage rapide, tranquille les amis. Et puis, découpe la porte. Mais oui, mais tu peux pas, regarde, je me suis loupé avec le bambou. C'est pour ça. Allez, on va aller là, à la forge de la ville. Et puis on verra bien. Alors, 300 mètres. 300 mètres par là, je crois. C'est ça. Oh, il y a un oiseau, non? Ou je rêve? Ouais, il y a un oiseau. Écoute. Mais il est tellement bien. Attends, 2 secondes. J'ai vu un petit peu d'arbres, non? Ouais. On va prendre un petit peu de bois. Au passage, vite fait. Mon Letson, c'est trop bien. Yep. Depuis qu'on a ça, là, ça va bien quand même. Allez, c'est un peu plus par ici. Je pense qu'on va suivre le chemin quand même. Et après, on tournera sur le côté, de le côté, par là. Et bon. T'as vu ça un peu? Voilà. Allez, on arrive au village, les amis. Et puis, on va essayer de trouver le forgeron pour qu'il nous fasse, je pense, quelque chose pour escalader, en fait. C'est bien, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qui nous manque. Allez. Allez, il faut trouver Yuma et Taka. On va essayer de trouver une forge. Ce sera peut-être plus simple. Et ben voilà, la forge. Territoire mongol, comment ça hein? D'accord. Ok. Pourtant. Vous êtes sûr? Attends. On va prendre ce qui traîne parce qu'on va pas rusher comme des porcs non plus. Ça sert à rien. Du coup. Est-ce qu'ils sont par là? Ou D'accord. La musique bien lugubre, tu sais. Ting 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 ting. J'ai rien pourtant. Tiens, ça c'est la forge, donc on devrait... On est en territoire mongol, je veux bien, mais... Je sais pas, là. On n'en voit pas, en tout cas. On va quand même essayer de se méfier. D'essayer de pas tomber dessus, tu sais. Pour rien, mais... Là, vraisemblablement, je les vois pas. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Mais il est super grand, le village! Mais il est super grand. Alors d'accord, on est en territoire mongol, je veux bien, mais du coup il n'y en a pas un qui traîne. Quoi? Un conflit tout près. Une bataille qui a lieu à proximité. Ou non? Bah il y a du sang, donc... Trouver la bataille à proximité. C'est bon? Non. Par où c'est-il que ça se passe, la bataille à proximité, les amis? Oh, oh. Il y a du sang par là aussi. Il y a du sang là. Bizarre. Bizarre le lézard. On n'a rien là. Ok, mais ils ont tué tout le monde par contre. Oh là là, mais il y en a de partout du sang. Par là, vous croyez? Ah mais il n'y a plus personne, ils ont dézingué tout le monde. Ok, là ils ont fait une mini fortification les mecs, pour éviter de les laisser rentrer, mais ça n'a pas fonctionné, tu vois. Ma foi. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, je vois que pendant que ta fille dort sur les jambes de ta mère, tu es philosophe, mon Lotson, et c'est plutôt pas mal. On aime bien la philosophie chez nous, mais je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Non, pas celle-là, zut. Mais sérieux, il y a du sang de partout, ils ont fait quoi là? Attends, hein. Alors, la zone de recherche, on en est sorti, donc c'est pas ça. Je la veux bien, moi, la bataille qui a lieu, mais... Ah ben, on va suivre le Zozio, peut-être, ici. Regarde. Salut, mon chou, à la crème. D'accord. Attends, bouge pas. Le Zozio, j'arrive. On a vu des provisions. Oh là, il y a du lin. Il est où, le Zozio? Zozio! Attends, il est passé où? Il est passé où, l'oiseau? Ah, voilà. Ah, alors? Ah, mais t'es là, toi? Attends, bouge pas. Voilà. On va commencer par lui. Tiens, tu prends ça. Aïe, j'arrive pas. Attendez. Allez. Voilà. C'est bon pour toi. Hop, on va passer derrière. Ok, ça c'est fait. On est bon? Tiens, on va lui prendre les provisions qu'il a sur lui. Ah bah voilà. Elle est où? T'es où? Ah attends, parce que lui... Je vais aller l'aider parce qu'il a un problème, le monsieur. Viens là. Oui, pardon. Excuse-moi. Est-ce que je peux t'aider? Oui? D'accord, merci. Dieu te le rendra un jour, hein. S'il n'y pense pas, surtout, tu me le dis. Les flèches, c'est bon. La provision, on va la prendre. Par contre, est-ce qu'elle est où? Je la vois pas, Josiane. Josiane? Ya ya ya, Wunderbar. Hey, salut mon fan. Ah, mais elle est là. Comment il va, mon fan? Alors, c'est pas normal, fan? Dis-moi, c'est pas normal? En cours, tu peux pas regarder YouTube. Ah, c'est dommage. Caché. Les Mongols sont arrivés il y a quelques jours. Ils ont fait des prisonniers et tué quiconque leur résistait. Ils reviennent terminer ce qu'ils ont commencé. Bienvenue à tous en tout cas. Ce n'étaient que des éclaireurs. Attends, je suis à toi. Le gros des troupes n'est pas loin derrière. Alors il faut partir. Maintenant. Nous pouvons défendre le village. Quoi? Il nous faut la forge de Komatsu, avec sa main d'œuvre. Si tu le souhaites, tu peux t'en aller. Non. Je suis fatigué de fuir. Conduis-moi aux autres. Ah, je l'ai pas celle-là, mon KO. J'ai victoire, mais pas victory. Mais du coup, mais j'ai pas compris. Alors du coup, fan, qu'est-ce qui va pas? Et non, j'ai pas compris ce que tu me disais pour l'iPad en fait. Combien y a-t-il de survivants? Quelques familles. Allez, on va continuer. Pour la plupart. Donc là, que je dise pas de bêtises. Territoire mongol, donc il va falloir qu'on défende l'emplacement, c'est ça? Forger un outil pour l'escalade, mais ça on le fera un tout petit peu plus tard, je pense. Tu as tué tous ces hommes à toi seul. Je te félicite. J'ai eu de l'entraînement. Peux-tu obtenir d'autres flèches? Je peux en récupérer, sur les murs et sur les cadavres. Ça devra suffire. Ok, allez, on va la suivre. Je conduisais des villageois en sécurité. Les Mongols ont attrapé une femme ici. Elle est en vie. On ne craint rien? Les Mongols ne sont pas là. Nous allons à la forge. Vous devriez venir avec nous. Ok. Donc son frère très courageux s'est caché, bien sûr. À Yuna, hein, je parle. Le frère de Yuna, pardon. Oui, mais on ne peut pas l'allumer. La fumée nous trahirait. Les Mongols sauraient où nous trouver. On peut s'en servir pour les attirer et provoquer le combat sur notre territoire. Ils ne s'attendront pas à te voir ici. Ok. Allez, on va les combattre sur leur territoire, on va libérer cette zone et puis on va essayer de se forger quelque chose pour... Et où tu vas? Ah, c'est là, pardon. Quelque chose pour pouvoir grimper sur les murs, ce sera plutôt pratique, enfin j'espère. Tiens, son frère est là. Bonjour. Seigneur Sakai. Ouais, mais j'ai mis une veste, alors du coup plus du tout. J'ai prié les dieux de vous protéger. Je t'en remercie. Mais c'est de ton aide dont j'ai besoin. Yuna dit qu'il vous faut quelque chose. Un nouvel outil pour sauver le seigneur Shimura. Il est retenu prisonnier au château de Canada. Et je dois le libérer. Discrètement, sans que personne le voie. Ce village possède une forge. Et tu es forgeron, je crois. Le meilleur. Et vous savez ce qu'on dit, c'est en forgeant. Mais je n'ai plus le temps. Les Mongols vont. Je les empêcherai de prendre Komatsu. Ouais. Bah oui, mais tu peux entendre quand même K.O. non? Tu veux que je l'enlève? Je peux l'enlever, moi, les Souchous, y a pas de problème. Mais bon, je pense que tu peux lire quand même. Que t'es pas obligé, tu dois pas être obligé de lire en fait. Puis ça déroule. Fais voir. Je te l'enlèverai tout à l'heure alors, parce que là, 2 secondes. Alors, trouver Yoko à 80 mètres. Yukio. Allez. Dans quel sens? Dans quel sens doit-on trouver Yukio? Dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut passer là en dessous? Yes. Allez, fais voir. Mais normalement ça gêne pas, vous en... Ouch! Ah mais non! T'as vu un peu comment j'ai sauté tel un cabri, les amis? Allez, fais voir. On va passer comme ça, je voulais juste les provisions, moi, tu sais. Quoi, un matuel? Comment ça? Allez, viens. Mais carrément! Mais carrément! Oula! Quoi? Je vois pas. Je vois pas, c'est où? T'es où? Mais non, mais on voit rien. Mais t'es où? Ah, je vais crever. Je vais la faire mourir, tu vas voir. Elle est où? Ah, à l'étage. Comment on grimpe? Où est-ce qu'elle est, l'échelle? Elle est là. Elle est morte. Ah, elle est morte, elle est morte, elle est morte, quelle nouille! Alors du coup, ouais, comment ça se fait dis-moi un petit peu, fan. Pourquoi ta journée c'est pas très bien passée? Explique un peu. Parce que du coup, on n'était pas là. Ok, regarde. Est-ce qu'on y arrive? Pas du tout. Je me suis pété les 2 jambes, tout va bien. Me dis pas que tu peux pas grimper là quand même. Si, il peut pas grimper là quand même. Voilà. Est-ce que tu peux grimper comme ça? Pas du tout. Et donc il fait tout le tour lui, non? C'est ça. Voilà. Il m'a pas vu bien sûr. On va passer comme ça, ce sera mieux. Et on va grimper, regarde. Voilà. Allez, viens. T'es où? Voilà, comme ça au moins on y est, tu vois, ils peuvent venir ici, elles risquent rien, elles sont là. Et c'est pas un souci. Normalement en tout cas. On fait live. Ah, mais peut-être ils veulent pas. Ils veulent pas venir, tu vas voir, ils veulent pas venir les mecs. Alors? Vous êtes où? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner 10 000 euros par mois, les gars? Non, je plaisante, ils veulent pas venir. Sérieux? Sérieux, ils veulent pas venir. Par contre, on a trouvé des... Ah, voilà, quand même. Allez, viens. Regarde. Voilà. Lapin. Oh. Tiens. Pardon. Ok, comme ça, c'est fait, c'est nettoyé. Et coucou, mon petit doigt, comment tu vas? Ça roule? Ça roule bien ici, mon petit doigt. C'est nickel. Alors ici c'est bon, on va nettoyer encore ce qu'il y a en bas. Qu'est-ce qu'on a en bas? On a ces 2 là. Est-ce qu'on en a un autre? Ouais. Alors fais voir, on va laisser passer. On va faire comme ça. Voilà, tu te calmes Josiane. Est-ce qu'il en a... N'en a-t-il d'autres? Peut-être pas. Je pense que c'est bien là, non? Attends, on va voir. Ça m'a l'air sympa. Coucou ma Sonia, comment tu vas? T'es en forme? Ça m'a l'air bien là, non? Fais voir, on va prendre les provisions. Il y avait aussi des provisions sur le toit, il me semble. Sur le toit, toi, mon tout, mon roi. Oui, nettoie un peu. Mais effectivement, t'as vu comme c'est sale. Mais clairement. Alors, fais voir. Est-ce qu'on peut? Bien sûr qu'on peut les secourir. Yukio? Oui, Taka a besoin d'aide. Alors, t'as pas changé de classe. Attendez. Ma femme et sa sœur sont à la rivière. Conduisez-moi à elle, vite. Par ici. Restez près de moi. D'accord, ok, fan. Alors, hein, secourir Yoniko et sa femme. Eh ben écoute, on va y aller. Hein. Non mais restez avec nous. Allez, faites voir les gars. Qui est bon. Demande-lui. Allez, venez. Tu crois qu'ils suivent? Non, ils suivent pas. Ils vont où? Mais vous venez, vous allez où? Ils sont où? Ah, ils passent par là. D'accord. Eh ben écoute, on... Cachez-vous. Avec toi. Alors, fais voir dans quel sens ils passent. Dans l'autre sens. Hop, on va se cacher là. Tu crois que... Ouais. Allez, fais voir. Lapin. Voilà. Ça, c'est fait. Du calme. Avancez. Uniquement les yeux sur moi. Restez là. Eh, salut. Viens là. Tiens, tu te calmes. Non, c'est l'autre, c'est l'autre. Voilà. Ah non, punaise. Ah, de pas beaucoup, de pas beaucoup, de pas beaucoup. Et je crois qu'il veut changer de classe, ouais, je pense que ça lui convient pas en fait. Allez hop, ouais. Restez là. Punaise, ce qui nous fait mal. Allez, viens là. Oh. Ok pour celui-là. Et toi, viens ici. Comme il se carapate, regardez-le. Ah punaise. Allez. Ah zut. Ah, je l'ai pas eu. T'as mémé. Watch. Oh là là. Quelle tristesse, mais quelle tristesse. Quelle tristesse, bon sang. J'ai tué un paysan, exactement. C'est exactement ça. Désolé. Ah, purée, purée. Allez, fais voir, on va lui parler. Mais ouais. Il est vivant. Suivez-moi. Taka a besoin de votre mari. Mais du coup, on en a sauvé combien là? Allez, on les ramène à la forge alors. Venez. Par où passe-t-on? On n'a qu'à passer par là. Silence. Voilà. Quand même. Nous allons à la forge. Suivez-moi. On va passer comme ça là. Fais voir. Vous suivez les gars ou quoi? Oh là là. Ouais, c'est bon. C'est bon, ils suivent. Et par là, la forge, non? Plus par là. Hein. Est-ce qu'on peut passer comme ça? On peut passer à l'intérieur, tu crois? Ouais. Allez. Punaise. Bloqué, tu sais, je suis bloqué comme une buse. Allez les filles. Venez ici, je crois que c'est par là. Punaise, mais il y en a de partout en fait. Ils sont de partout les loulous. Voilà. Allez, on fait le tour. On va voir un peu. Mais je crois que... Tout droit. Allez, venez. Est-ce qu'ils suivent, vous croyez? On va se retourner un petit peu, regarder s'ils suivent. Oui, voilà, on est passé à travers les plantes, comme ça on est parfait. Et puis après, je vais aller les soulever comme jamais, les mecs, là-bas. Regardez, venez, on passe par là, tranquille. Et on est bon. Voilà, vous êtes à la forge, les foufous. Les chouchous. Allez, on va lui parler. On va parler à Taka. Yukio, il nous a sauvés, Taka. Merci, monseigneur. Les Mongols sont là. Où est Yuna? Parti chercher une famille dans la maison. La vieille sans Chico. N'importe quoi, lui. Je vois. N'allume pas la forge avant qu'on revienne. Alors, quoi? Trouver Yuna à 100 mètres. Ok, on va y aller. Alors, c'est où? dans ce sens-là, les amis. C'est rigolo, pourquoi le chat il est bloqué de ce côté là, Ah voilà. Ouais, bizarre. Parce que le chat il est bloqué ici là. Je vais essayer de le relancer. Attention la bande à Picsou, n'importe quoi, à tout de suite Léo, à tout de suite. Mais non. Alors, Yuna. Yuna, tu es où? Plus par là-bas là? Ah bah voilà, regarde, elle est là. C'est le plus riche foie de canard, le plus chiche, le plus roublard. On est prêt à allumer la forge. Taka m'a dit que tu recherchais une famille. Je suis arrivé trop tard. Les Mongols les ont capturés de l'autre côté de la rivière. Ces gens ont accueilli mon frère quand il était apprenti. Eh bien écoute, on va passer de l'autre côté. Pas de problème. Ouais, on va peut-être se baisser, hein. On va pas faire ça YOLO lastico quand même. Ok, fais voir. Vite, 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 vite. Allez, 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 mets-toi à l'ombre. Voilà. Comment? Tu peux pas me voir là, chouchou, je suis dans les herbes hautes. C'est surtout plus de ma faute. Non, mais pourquoi? Ah oui, voilà, je te vois. Ah non. Voilà. Zut. Attends, fais voir, parce que là du coup on voit très très mal, il y en a deux à l'intérieur et il y en a un à l'extérieur. Fais voir un petit peu, on va essayer de passer comme ça là les amis. On va regarder hein, ce qu'on peut faire pour... Yep. Est-ce qu'ils sont à l'étage ou pas du tout? On va essayer de regarder, grimper à l'étage, est-ce que tu peux? Mais... Ah, mais t'es sérieux, il y a une échelle qui va nulle part? Si, elle va quelque part. Alors attends, qu'est-ce qu'il nous fait l'autre? Il nous danse la gigue. Il y en a plusieurs. On s'en moque. Allez, on y va. Voilà. Toi, comme ça. Voilà. Ok. Et... Ah oui, oui, Jean-José, là. Salut, Jean-José. Allez, viens là. J'aime bien le coup de pied qu'il lui met pour défaire les... On est bon là? Fais voir. Est-ce qu'on peut? Tu crois? Ouais, allez, on les secourt. Vous nous avez sauvés. Ce n'est pas encore fini. Vous pouvez rejoindre la forge. Mais pourquoi tu veux... J'ai pas compris. Pourquoi tu voulais changer de classe, Chou? Qu'est-ce qui va pas? Alors, ramener les paysans à la forge. Encore? Allez. Est-ce qu'on peut passer par là au moins? C'est une longue histoire. Oh là, oh là, oh là, d'itinéris. Alors attendez, venez vous cacher là, là, les amis. Voilà, on va les laisser passer, hein, les gens Maurice là-bas. Allez hop, on y va les amis. Andiamo cuidado. Et on va passer sur le côté. Je pense qu'on va remonter sur le côté droit là. Ça m'avait l'air pas mal. Non. On va les laisser passer, puis on va embriguer derrière eux. Comment on peut passer à la forge sans le balai? On y va. On y va vite, les gars. Ça devrait le faire. Ils ont dû faire tout le tour. Et hop, à la forge. Facile. Alors, parce que ses potes sont dans une autre... Tu pourrais suivre quand même, ouais c'est compliqué, excuse, c'est vrai. Mais j'avais le chat juste en face qui avait sauté, donc du coup j'arrivais pas. Alors sachant que ma passion c'est l'espace, j'ai deux choix. Soit t'achètes une Renault, soit je vais dans sa classe. Mais du coup rip les maths, parce que le professeur est nul. Ah ouais non zut. Ouais c'est cornélien ça, c'est très très cornélien ouais. Moi je privilégierais les études mais... Tiens on va prendre un petit peu des flèches. Mais du coup, ouais, je suis pas sûr. Je sais pas quoi te dire. Allez hop, on va parler à Taka. Allume la forge, Taka. Et les Mongols, alors? Ils ne voudront pas détruire ce lieu. Cela nous donne une chance de tous les tuer. S'ils ne nous tuent pas d'abord. Mais non. C'est ici que nous nous battrons. Allez, on va aller chercher les Mongols, je pense, j'espère, je sais pas. Est-ce qu'ils viennent pas? Par contre, je vais me prendre un tout petit peu d'eau, si vous le permettez, les amis. J'ai un petit peu soif. Allez, on va se remplir un petit peu ça, là. Parce qu'il fait chaud, finalement. Attends! Non, j'y suis pas, mais non, mais j'y suis pas, les gars. J'étais en train de me servir de l'eau, quoi. Sérieux? Mais oui, mais non. Tiens, déjà, tu te calmes. Ouais, je suis pas très en forme. Effectivement, là, les amis, je vous avouerai que je suis pas en forme. Mais ça va revenir, hein. C'est juste que... Aïe, aïe. Voilà, un tout petit peu de rapidité, ça ne gâche rien. Salut. Voilà. Ça pour toi. Oula. Oui, oui, non, mais toi, t'es trop costaud. Alors, tu vas attendre un petit peu, hein. Trop gras, trop salé, trop sucré, surtout. Voilà. Voilà. Combien il en fait? Ah, t'arrives pas à le prendre sur le côté, qu'est-ce qui se passe? Attends, bouge pas. Hop. Voilà, ça c'est bon. Je vois pas. Voilà. Je crois que c'est bon. Je vois pas. C'est bon. Ça a l'air d'être bon. Allez, on va ressortir. Allez, viens ici. Ok, et on est où? Ah là, je t'avais pas vu. Vu, je t'avais pas vu. Punaise, la caméra des fois, c'est tellement terrible, les amis. Est-ce qu'on est bon? Peut-être pas. Il est là. Allez, nettoyage et pâturage. Ah, j'ai pas le temps, désolé. Désolé, ma surprise, en plus j'ai pas le temps. Allez, petit coup de pied qui déstabilise et hop, voilà. C'est quoi? C'est un chien? C'était quoi ce truc là, Peut-être. Oula. T'es là? Ouais, dans des endroits clos comme ça, c'est pas terrible. Sérieux, c'est pas terrible, les gars. Mais il est encore là, lui. Attends. C'est bon? Punaise, Yuna, elle est pas bien. Yuna, elle est vraiment pas bien, les amis. Où est-ce que ça vient? Ça vient par où? Il est là. Ouais, mais on voit pas, punaise. Ouais, c'est un peu dommage parce que là du coup tu vois que dalle, quoi, mais bon, en même temps, j'ai tellement peur de les... Attends, on va prendre les provisions. Ayez pitié, pauvres pêcheurs. Je vois rien, on voit pas. C'est bon? Ça a l'air. Ah non, regarde, il y en a dehors. D'accord, il est dehors. Fais voir, on va aller le chercher. Ah non. Allez. Mais t'es sérieux? Eh ben. Ils sont où? Ils sont là. Ah ouais, d'accord. Allez, salut. Voilà, déjà. Voilà, on joue feu, dit-il. Est-ce qu'on est bon? Il y en a encore? Non. Non, non. Oui, il y en a encore. Dedans, c'est bon, ça a l'air. Ça a l'air d'être bien. Il y en a encore là. Eh ben. C'est où? Wow, c'était tellement dur. Je vois pas, en punaise, on voit rien en plus. C'est tellement terrible, les gars. Voilà. C'est bon, quoi. Il y en a encore? Sérieux? Bah il y en a encore, hein. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah, ça doit être le chef, c'est bon, lui. T'es où? Il est là. Allez! Voilà. Allez, dégage! Alors, fais voir. Désolé, hein, je suis à vous quand la sardine sera à l'huile, les amis, mais là... Aïe, aïe. Allez, dégage. Le chef, c'est bon. Je suis là, hein. Je suis là. Je suis là, les loulous. Punaise. Ok, le chef, c'est bon. Il faut faire très attention que... Ah bah ça a l'air d'aller. Ok, on va pouvoir boire un coup. On va pouvoir boire un coup parce que là, on l'avait pas. À votre santé, les loulous, puis de à la crème. Merci. Hein. Bah, bonne mathématique, mon fan. Je suis désolé pour toi si la classe dans laquelle tu es ne te convient pas. Jamais je n'ai vu un samouraï se battre ainsi. Ouais, il faut privilégier ses études, exactement, ce saut. Vraiment, vraiment, vraiment. 200%. Tu es plus qu'un samouraï. En réalité, exactement, tu te feras d'autres amis. Toi-même, tu sais, mon petit doigt avec ton racaille. Mais c'est vrai, ouais, je suis d'accord. Où allons-nous nous cacher maintenant? Nulle part. On se cache plus. On est courageux maintenant. Allumez la forge et que Komatsu se remette à fabriquer des armes puissantes. C'est ainsi que nous résisterons. Que nous sauverons le seigneur Shimura. Alors, petite question comme ça, pas obligé de répondre. Vous venez de quel coin tous? Bon, les frères, je sais, ouais. Il n'y a pas de secret. Pas de secret, tu sais d'où on est, nous. D'un peu de partout, en fait. Hein. Tu as de la Picardie. Ah ben voilà, il y a Sonia qui est Picard, fan pareil. Tu as du Toulousain, tu as du... de notre Master... Master, lui, il est de... Ah. Il est de Bretagne, normalement, je crois. Dark Sword Master, lui, il est de Guadeloupe, il me semble, je veux pas dire de bêtises. Respecter un code d'honneur. C'est une des nombreuses choses qui nous différencient. Alors comment se fait-il que mes hommes aient été frappés dans le dos? Le seigneur Sakai n'agirait jamais de la sorte. La guerre nous révèle notre vraie nature. Elle a fait de vous un chien, lâché par votre cousin Kubilai pour piller et violer ses ordres. Petit-fils du Grand Khan, bien sûr. Votre neveu s'écarte de la voie. Gengis. Il deviendra ce que vous haïssez. Sauf si vous vous joignez à notre combat pour la paix. Vous ne cherchez pas des alliés, ni des soldats pour renverser le shogun. Réfléchissez à mon offre. Aidez votre neveu à renouer à fan. Désolé. Par sa lâcheté. Et avant que je vous apporte... mais bien moins haut que ça, t'es fou, toi. Moi, le nord, c'est la gare freinée. C'est en montagne, mais c'est à 20, c'est à 10 bandes d'ici, à vol d'oiseau. Ça va pas la tête. Je devrais aller voir si Yuna en sait plus. Le coin inférieur gauche. Allez, le crochet de fer. Journal mise à jour. Alors. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Alors, nouvelle selle disponible. Retrouver le moine. Ok. Et là, crochet de fer. J'ai presque tout ce dont j'ai besoin pour sauver mon oncle. Yep. Eh ben, écoute, on va aller là. Et puis après, on va se faire ça. Je pense que c'est bien. Mais on est juste à côté. Bon, il nous faut un grappin quand même. Et puis on va prendre une selle, bien qu'elle nous serve pas à grand chose. Allez, fais voir. Où est-ce qu'on peut... Nouvelle faveur disponible, ok. Bah ça, on ira la chercher plus tard. Pourquoi je me retrouve ici? Pourquoi on se retrouve là, d'ailleurs, du reste? Ils sont rigolos, hein. Allez, fais voir. On va se mettre là. Je vais me remettre le live event comme ça et on revient de ce côté-là, comme ça j'ai une vue sur vous aussi. Allez, on va prendre un grappin, enfin je l'espère en tout cas. Si on pouvait grappiner, pour grimper maintenant, ce serait bien. Plein de grappineries. Allez le forgeron. Alors, attends, on a que des améliorations là. Attends, attends mon copain, Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est mon grappin? Tu vas me donner mon grappin, oui? Allez, t'en fais voir. Pourquoi j'ai pas mon grappin? Fais voir. Il va nous dire où est-ce qu'il est le grappin, oui. Alors, trouver la forge de à 100 mètres. Ah non. Non, mais t'es sérieux? 110 mètres, ok. La forge, elle est là, je vois pas pourquoi. Mais des fois. Mais vous alors? Mais vous? Voilà. Forge de Komatsu. T'es sérieux là? Où est-ce qu'il nous amène ce truc là? Je pensais vraiment que c'était par là moi. Ah, alors, elle est là. Ah ouais mais il y a plein de forges finalement, d'accord. Ok, allez on va lui parler, on va parler à Yuna. Tu leur racontes encore des histoires? Je leur dis ce qu'ils ont besoin d'entendre. Certains te surnomment. Ouh. Parce que tu leur as mis des idées dans la tête. Grrr. Tous ces gens restent parce qu'ils croient en toi. Ils devraient croire aux samouraïs. Pour eux, tu es les deux. Mmh. Pas faux. Quand le seigneur Shimura sera libre, ils n'auront plus besoin de croire à ses contes. Peut-être. Taka travaille dur sur ce que tu lui as demandé. Il ne veut surtout pas te décevoir. Bien, allons voir où il en est. Voilà. Allez, on va pouvoir... Allez, on retourne voir Taka. T'as qu'à me faire mon grappin. Et vite, s'il te plaît. Quelques-uns. Ishikawa Sensei et Dame Masako Adachi sont en vie. On va retourner à la forge du coup. Mais ils ont accepté de venir m'aider le moment venu. Et on va récupérer le grappin. Hop. Rejoignez votre complice. C'est ici? Allez mon Taka. Non mais sérieux, c'est où? Oh. Mince, je suis allé trop vite. Mais moi je veux, je pensais récupérer ça dans la forge en fait. Elle est où maintenant? Attends, parce qu'il y a pas mal de choses finalement là. Alors là on s'écarte, retourner dans la zone du récit bien sûr. Mais elle s'est arrêtée en chemin, on est allé trop vite, d'accord. D'accord, c'était juste là. Mais combien il y a de forges ici, finalement, les amis? Sérieux? Un archer et une noble. Tu es sûr que ça suffira? J'ai aussi fait appel au chapeau de paille. Sérieux? Leur nouveau chef se trouve être un vieil ami. Bon. Tu as toute l'aide qu'il te faut, on dirait. Te joins-tu à nous? Je ne sais pas. C'est exactement ce que je disais, Lyon, en fait. Non mais sérieux, il fallait juste la suivre en fait. Je suis bête. On a voulu aller trop vite en fait les amis. Et maintenant elle trottine sur place. Telle une trottinette surplaceuse, bien sûr. Écoute, ça va pas mieux aujourd'hui. Enfin, il y avait du mieux hier. Et là aujourd'hui elle refait de la température, elle refait de la fièvre. Alors pas beaucoup mais quand même. Donc du coup c'est un peu préoccupant. On verra. Ah merci mon fan. Du coup je sais pas trop. Je m'en occupe. Va voir Taka. On se rejoint plus tard. Monseigneur, je viens de terminer. Ok. Allez, parlez à Taka. 20 mètres. On y arrive. On y arrive enfin. Attends, je vais me redonner à boire. Mais du coup, ouais, c'est fluctuant. Hein. Un coup bien, un coup pas bien. Enfin, bien. Ouais, un coup bien, un coup moins bien, pardon. Et c'est vrai que... Ben, c'est comme ça quoi, mais non, ce qui est le plus embêtant en fait, pour être honnête avec vous, pour tout vous dire, c'est juste que le petit il ait loupé sa rentrée quoi. Hormis tous les autres désagréments, hein, c'est pas... Parce qu'il y en a d'autres, mais ouais, je suis un peu triste que mon fils ait loupé sa rentrée parce que... Il a ses copains, ses copines, et puis en plus, dans la classe dans laquelle il est cette année, parce qu'on a réussi à avoir... y a sa chérie dedans, et puis il y a ses copains et copines qui l'aiment bien, donc du coup c'est quand même un peu dommage qu'il puisse être, enfin, il y a un truc à l'étage, qu'il puisse pas faire sa rentrée, puis il va prendre du retard pour la lecture, pour tout, et puis voilà, nous on est ses parents, on n'est pas des professeurs, donc c'est compliqué pour nous de... Attends, il me semble que j'ai vu des trucs, ouais. C'est compliqué pour nous de lui faire l'école. Alors ce matin, je lui ai fait l'école, tu vois, mais bon, tu peux pas lui apprendre... Wonderbar. Tu peux pas lui apprendre à lire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Allez, hop. Hop. Où est-ce qu'ils ont été posés du lin? Allez, fais voir. Non, je veux descendre. Voilà, salut. Et bon, ma foi, écoute, hein. Merci d'avoir patienté, mon Seigneur. Mais de rien. Alors, c'est quoi? C'est le forgeron? C'est... Eh, merci K.O., merci beaucoup. Merci à toi. Moi, je voudrais bien te parler, en fait, mais je comprends pas que... Voilà, merci. Merci à toi, mon K.O., merci beaucoup. Hein. C'est très, très gentil de ta part, merci. Avec une corde attachée à l'extrémité. Voilà. Ça vous aidera à franchir des murs et à éviter les obstacles. Il supportera mon poids. Je l'ai testé moi-même. J'appelle ça un Kaginawa. D'accord. Va pour le Kaginawa. C'est parfait. Je te suis redevable. Non. Je vous l'offre. Si, quand même. J'ai ma sœur. J'ai un toit et la vie sauve. Ça me suffit. Merci, Taka. Shin, où es-tu? Ryuzo. On appelle ça le grimpe au mur, c'est ça, ouais. Quelqu'un a vu un samouraï? D'accord. Eh ben tu vois, je savais pas en fait. Mais merci en tout cas, hein, merci. Parce que moi j'en ai acheté au mois d'août, mais du coup c'était pas en réduc. Allez, fais voir, on va aller voir Jean-Maurice. On va peut-être regarder, parce qu'on a des améliorations à faire. On pourrait faire ça... alors... Ouais, ça fait cher, ça coûte cher. Hein. Vieux. Ça coûte très très cher. Au niveau des provisions, en tout cas. Au niveau du fer, on a ce qu'il faut. De l'acier, on est limite, mais bon. Allez, c'est pas grave. On va le prendre. On va prendre, et là, on va vérifier. Mais oui, il nous en manque. Il nous en manque. Bon, bah, c'est pas grave, hein, les amis. Tiens, je vais lui dire à Amandine que c'est en réduction quand elle sera un peu mieux. Et... Je t'ai cherché partout. Il fallait que je la fasse, désolé. Hein. Allez, hop. Les Mongols ont capturé mes meilleurs guerriers. Je comptais sur leur aide pour délivrer le seigneur Shimura. Écoute, Jin, si nous ne faisons rien, mes hommes seront tués. Et ton oncle restera prisonnier des Mongols. Mais on va y aller. Où sont-ils? D'ailleurs, n'hésitez pas, les amis. D'accord, Ryuzo. Trouvons une solution. Alors, le crochet de fer. Et coucou Drac, comment tu vas? Tu m'as parlé de cages près du fort de Yatate. Où exactement? Les cages sont en fait à l'intérieur du fort. Au sommet d'une falaise. Comment allons-nous sortir tes amis de là? Il me reste... Vous pouvez retrouver mon petit doigt sur sa chaîne, les amis, si vous... Si vous êtes nouveau sur la mienne, mais... C'est un très très bon copain, vous pouvez y aller. Ça va très très bien, ça va bien. Des bisous, des bisous, des bisous. Je sais. À très bientôt. On n'avait pas une selle à récupérer. Bon, c'est pas grave. On va suivre Ryuzo et puis on va aller libérer les chapeaux la paille. Tu peux gagner. Tu fais tout kata dans la case. Tu te souviens de la carte que tu m'as donnée? Celle qui indiquait les routes d'approvisionnement mongol. Il y avait de la nourriture. Oui. Mais extrêmement bien gardée. Il y avait trop de gardes pour tes meilleurs hommes. Ces fils de chiens étaient trop nombreux. Je me suis échappé de justesse. Et tu es sûr que tes hommes sont vivants? Je les ai entendus chanter la nuit dernière. On va le suivre, hein, comme ça on peut... Les Mongols les aient laissés faire. Moi aussi. On peut écouter la suite. Vous savez chanter? Vous pourriez vous reconvertir. Ce n'est pas comme si j'avais choisi cette vie. C'était ma seule issue après le tournoi. Ah. Au tournoi du seigneur Nagao. Mais t'es déjà beau, t'as pas besoin. Avant le combat, j'avais invité les commandants de chaque clan à y assister. Tu m'as attaqué comme si j'étais ton ennemi. Tu as failli me briser le bras. Je suis navré. C'était mon tout premier tournoi. Je me suis laissé emporter par mon enthousiasme. Tu me tristifies. C'est un très joli mot, ça, tristifier. Je tristifie, tu tristifies, il tristifie. Nous tristifions, vous tristifiez, il tristifie. D'entrer au service d'un seigneur, de devenir un samouraï. Tu aurais dû m'en parler. Je t'aurais pris à mon service. Parce que personne d'autre ne voulait de moi. Pas question. Ouais. Je devais faire mes preuves. Tu aurais dû m'en parler avant. J'aurais peut-être dû. Drague. Ouais, je suppose que t'as raison. Ça doit être ça. C'est toute une question d'équilibre. Entre le charme et l'adresse et la drague. Et je parle pas de toi. Komatsu, quelqu'un t'a appelé le fantôme. Seigneur Sakai ne te suffisait plus. Qu'y a-t-il? Tu crains que ma renommée surpasse la tienne? Petite balade bucolique à cheval, les amis. Je savais qu'elle allait te plaire, celle-là. Oh, une minorité, une majorité, tu veux dire? Allez. Tout ce que tu as besoin, moi donne-toi. Chapeau la paille, moi donne-toi. Petit robe à fleurs, tu peux gagner, tu fais tout kata kata, dans la case. Ok, les petits chapeaux, ils sont là. Alors, retrouver les chapeaux la paille, ils sont là. Où sont Hiro et Shinzo? Ils sont partis. Et ils ne reviendront pas. Les lâches. Et oui, tu nous fais quoi ce soir, mon petit doigt? Tout ce que j'ai fait pour leur survie. Nous sommes assez nombreux pour sauver des hommes. Crois-moi, j'ai connu pire. J'ai perdu des hommes à cause des Mongols, de la maladie, de la faim. Ils étaient faibles. C'est vrai. Désolé. Il y en a d'autres qui souhaitent partir. Ok, alors, allez, on y va. On est sur quelle quête, là? Je sais pas où est-ce qu'il nous amène. Je sais pas sur quelle quête. À la base, on voulait faire celle-ci, juste derrière, mais on pourra pas, mais c'est pas très grave. Pardon, autant pour moi, les amis. Ok. Pourquoi on part dans l'autre sens du vent? Allez, je sais pas, mais... Ah non, ils nous suivent, ils nous suivent, ils nous suivent. C'est quoi? C'est le bon? Non, on n'est pas dans le bon chemin. Il y a du Mélio dans le coin. Salut mon Mélio. Allez, fais voir. Rendez-vous au château fort de Yatate. Alors attends pas. Par contre, il est où le château fort de Yatate? Non parce que... Ah bah il est juste là, c'est ça? Rendez-vous au château fort. Ok. Avec les chapeaux la paille. Parfait. Coucou mon Mélio, comment tu vas? T'es en forme? Bienvenue mon chouchou. Allez, ça va mon petit doigt, tout à l'heure peut-être. Allez, on va passer par là. Comment s'est passée ta journée, mon Mélio? Où est-ce que tu vas? Tu vas draguer Pèrelagalère et frère la galère. À vous, tu en pinces poulet du mot, mais c'est clair, mais c'est normal. Je comprends, drague. Je l'avais pas vue celle-là, tu sais, je l'ai vue juste après ma petite drague. Désolé. Ok. Allez, terrier du renard. Bon, on... Il est où? Il est où ton terrier? Le renard. Je l'ai... Bah, je le vois pas. Fort de Yatate. C'est là que ces chiens détiennent les hommes. Comment comptes-tu t'y prendre? Moi? C'est toi qui nous as conduits sur ce bateau mongol. Alors attends, c'est où? Il n'y a qu'une voie d'accès au fort et elle sera bien gardée. Ah, il est là-haut. J'ai besoin d'entrer sans être repéré. Je suppose. Je crois. Les Mongols ne surveilleront pas les falaises derrière le fort. Est-ce que c'est ça? Alors lui, on l'a pas vu par contre, le secteur, je sais pas où il est. On ira peut-être tout à l'heure. Et le château fort, il est où là? Je pense que c'est ce qu'il y a juste au-dessus, mais bon. Je vais grimper par-dessus le mur. Comment? Hop hop hop. Direction Toulouse. Je m'occupe de la caméra. C'est ça. Je vais libérer tes hommes. Quand je serai avec eux, je déclencherai une des alarmes pour te dire de venir. Ok, attends, fais voir. On a de la fleur là. On va prendre la fleur déjà. Rejoignez votre complice. Attends, ouais, mais 2 secondes. Ok, on arrive. Mais non, mais pas du tout, mais n'importe quoi, on est juste à côté. N'importe quoi. Le fort de Yatate. C'est là que ces chiens détiennent mes hommes. Allez, on y va. Comment peux-tu t'y prendre? Moi? C'est toi qui nous as conduits sur ce bateau mongol. Tu vois, on va grimper par là, non? Il n'y a qu'une voie d'accès au... Ah, c'est pas ça. Mais par où tu veux aller? Il est où? Mais les gars, mais sérieux, vous voulez aller où? Il n'y a qu'une voie d'accès au fort et elle sera bien gardée. On va le suivre alors, qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'entrer sans être repéré. N'importe quoi. Les Mongols ne surveilleront pas les falaises. Le fort Yatate, c'est ça. Il y a qu'à tâter, les amis. Comment? Tu te prends pour un singe? J'ai quelque chose pour m'aider. Bon, courage mon Mélio, courage. Quand je serai avec eux, je déclencherai une des alarmes pour te dire de venir. Et d'écraser les Mongols au passage. Tu vois? Tu avais bien un plan. Bah alors qu'est-ce qu'on fait? On y va? On se fait des quenelles? Comment ça se passe là? Allez, roule! Allez, tu peux pas? Non, on peut pas. Le fort Tatayo. Tatayoyo. Ah, drague. Alors qu'est-ce qu'on a là? Bon, eh ben tu vois, je meuble les gars, je meuble parce que là il faut pas déconner. Ah purée. Je vais escalader la falaise de ce côté. Restez cachés et attendez le signal. Bonne chance, ne tombe pas. Voilà. Allez, atteignez la falaise. Ok, laquelle? Quelle falaise? Par là, là. Bon, on va descendre de là. Alors, elle est à 80 mètres la falaise parce qu'il veut pas qu'on aille plus loin. Ok, c'est ici. Il veut qu'on passe par là absolument, donc on va passer par là absolument, les amis. On va pas pousser mémé dans les orties, on va l'écouter. Alors, sauter et appuyer sur R2. R2, pour pas se tromper, c'est R2-D2. Alors, ce que j'aime avec toi, Pèrelagalère, c'est que je dis une connerie, tu en lis une autre encore plus grosse, mais qui est super aussi. Non mais c'est ça, mais tu sais on a un numéro de cirque tous les deux, toi tu dis des conneries, moi ça me fait rire et c'est nickel. Attends, parce que là, sauter c'est ça, on est d'accord? Ah non, c'est ça. Ouh. Ouais mais c'était pas grandiose hein. Ah, c'est par là. Chapeau la paille, tu peux gagner, tu fais tout kata kata dans la case. Est-ce qu'on peut? Comme ça là? Yes. Wow, mais en plus il grimpe sur les murs, c'est Spider Cochon les amis. Il est pendu au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Alors il commence à aimer se crocher, moi je veux bien. Crochet, je t'ai accroché. Par où passe-t-on maintenant? Parce que là je vois pas de fanion les gars. Un peu plus par là peut-être? Voilà. Il suffisait de demander. Effectivement là on aime bien ce truc là. Alors t'es pas obligé de rester appuyé, après il reste accroché. Et oui on est du même endroit. Si tu pars dans 20 minutes... Oh, quand même, ouais, mais quand il met pas du tien comme ça, drague, franchement, on peut plus rien faire, nous. Hein. Parce que Lionel, il a de la place chez lui, il te propose la piscine, le gîte, le couvert et le jacuzzi. Donc, pour finir une bonne journée, tes bonnes journées de travail, là, écoute. Yes, allez, papa, en avant. Pouvoir me balancer de l'autre côté. Ah, il a pas aimé par contre. Hein. Ouais, il aime pas. C'est pas très pratique quand même. Je vous avouerai que j'ai un peu peur en le faisant, mais. Oh, ok, ça va, c'est passé, easy cacahuète finalement. Ah, ça fait quand même une trotte, j'avoue, de Sarla, ça doit faire quand même une petite trotte, ouais, effectivement. Mais bon, écoute, je pense que vraisemblablement tu peux arriver pour l'heure du petit déj. Non, mais sérieux, ce soir à minuit, tu y es, hein, tu pourras prendre un bain ce soir à minuit, tranquille. Par contre, on dit des bêtises, mais par où passe-t-on maintenant? Tu vois, c'est toujours ça qui est vraiment gênant sur ce jeu, c'est vraiment cette cam là. Ah ben voilà. C'est vraiment cette cam qui est vraiment gênante des fois. Parce qu'elle est, mal réglée, elle est pas derrière toi en fait. Voilà. Ok. Nous on aime bien. Mais sinon, il part sur le côté, tu sais, comme une buse. Allez, on va venir là. Non, c'est pour redescendre. On dirait qu'ils sont enfermés aux quatre coins du fort. Voilà. Tu te calmes, tu la fermes déjà. Alors, on pourrait aller là. Y a-t-il d'autres vigies ? Pas de visu, j'ai pas de vigie, justement. Le jacuzzi est à 38, elle arrive, t'inquiète pas, elle arrive. Lio, t'inquiète, ça arrive. Eh ben écoute, oui Sonia, et puis demain, c'est ça, 11 ou 12 heures quand même, hein. Je crois 11 ou 12 heures, allez fais voir. Ah non. Et non, tu peux pas. Allez, fais voir. Voilà. Non, t'as rien vu. Tu n'as rien vu, je suis une feuille. Je ne suis qu'une feuille, une fleur. Une jolie petite fleur de gallico. Voilà. Et je vais venir te cueillir, mon très cher ami. Allez, fais voir. On va grimper là, juste histoire de dire, parce qu'il s'est mis à l'échelle. Allez, on va reprendre des flèches. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? Des flèches, il en a aussi. Donc, il faudrait aller se faire la tour de l'autre côté. Comme ça, au moins, on se fait pas avoir. Ah ouais, 10 heures. Ouais, c'est ça, 10 heures. Ouais, ça dépend comment tu roules, en fait. Ah non? D'accord. C'est moi qui mets un peu trop de temps, c'est ça? Bon, ok. Alors par contre ils sont ouf les loulous pilous à la crème à libérer là, parce que moi je les vois pas d'ici, hein. Alors là il y a Jean-René, Jean-René est par là et il arrive, mais il vient pas vraiment par chez nous en fait. On pourrait se pendre là-haut mais ça nous arrange pas en fait, on s'en moque un peu. Fais voir, on va passer de l'autre côté. Déjà, on va prendre les provisions qui sont ici, les amis, et puis on va essayer de passer par l'intérieur. Voilà, pi, voilà, pas, voilà, poum, fais voir un peu. Est-ce qu'on a quelqu'un là? On a personne. Non, 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 ils sont tous de l'autre côté. Est-ce qu'on a quelque chose? Même pas de... Non, même pas. Ok, allez, fais voir. On ressort par là, du coup, les amis. Et tu passes demain matin pour le petit déjeuner, c'est vrai, c'est possible. Alors, est-ce qu'on peut... Il y en a un juste là, là. C'est dommage qu'on puisse pas les arracher de derrière la porte, en fait. Christian, bien sûr. Est-ce qu'il est tout seul? Il est tout seul. Allez, fais voir. Personne nous voit si on passe comme ça. Est-ce qu'il nous voit, lui? Ah oui, lui nous voit, par contre. Personne nous voit, mais lui, oui. Zut, on s'est fait avoir. Il joue à feuille, papier, ciseaux. Tiens, putain. Ok, ça c'est fait. On est bon. On fait, quand on fait ça avec autant de délicatesse, en fait, les amis, c'est tellement beau. Mais du coup, je veux bien... Ah, il y en a là. Fais voir. Fais voir. Salut. Il a le... Tiens, tu te calmes. On va grimper là-haut. Non. Il nous a pas vu, il nous a pas vu. Tu nous vois pas. Tu nous vois pas, nous sommes une feuille. Ah, attends, viens ici. Pardon. Bon, on va grimper là. On va faire ça. On va se faire celui-ci qui est juste là, les amis. Attendez, hein, je suis à vous. Boum. Ok, 4 petites flèches. 4 flèches sur un piano. Alors, lui, on pourra venir derrière. Allez, on va déjà libérer ceux d'en bas, là. Je vais me casser les guibolles. Mais quelle nouille! Pardon. Ok, que de violence, exactement. Ah, purée. Mais oui, non, on passe pas à Toulon. Il faut tout refaire, là. C'est ça, il faut tout refaire. Tu t'es pas trompé, Loïc. Ah oui, faut tout refaire, zut. Allez, fais voir. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, normalement, il y a Jean-Maurice qui est là-haut. Allez, fais voir. Ok. On va passer comme ça. Sur le côté, on va laisser le faire. Il y a celui-là, là. Voilà. Il perd ses clés. Il a perdu ses clés. Non, mais sérieusement. Je pense qu'il les a perdues. Allez. Ouais, 8-9 heures, c'est bien. 8-9 heures, tu peux tabler là-dessus. On est bien drague après, hein, tu sais. En plus, je suis en Covid, donc tu peux venir. On ira faire une bar mitzvah tous les deux et tout, nickel. Et non, non, ça va être bien. viens. À Saint-Germain. Allez, on va passer comme ça. Allez, on va se planquer là, on va attendre qu'ils reviennent. Et puis après, on va... C'est quoi ça? Ah, c'est un ours qu'il y a là-dedans. On aurait pu leur lâcher l'ours, je suis bête. Amandine, ouais. Moi, je suis négatif. Ethan est négatif. Mais ouais. Malheureusement, ouais. Allez, viens ici. Ok, allez, fais voir, fais dodo. Du coup, on va passer là tranquille. Il nous a pas vu, Jean-Maurice, mais non, tu nous as pas vu. Ah, punaise, ils voyaient rien, les mecs, je te jure. C'est les habitants de la Côte d'Ivoire, ils voyaient rien. Voilà, ils cherchent, ils cherchent, mais il est où? Mais il est passé où? Toi aussi c'est bon, t'as eu les résultats? Ah non mais vas-y, tais-toi. Tiens, regarde. Ah lui aussi. Tais-toi, regarde. Allez, fais voir. On va grimper là. Non, grimpe. Mais grimpe s'il te plaît, voilà. Lui il regarde vers l'extérieur bien sûr. Il regardera pas par là, je vous assure les gars. Voilà. Aïe. Voilà, parfait. Donc je vais pas faire comme tout à l'heure, je vais peut-être pas sauter de là, parce que du coup on va se casser les jambes. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelque chose? Allez, on descend. Hop. On va aller libérer les deux premiers. Ah non, non, descends, chouchou. On va les libérer. Ah, tiens, provision. Les deux premiers, et puis après on les livrera les autres. Du coup, ici. Et ben ouais, Amandine, comme elle travaillait en pharmacie, puis qu'elle était pas bien, finalement, elle s'est dit tiens, je vais aller le faire. Maintenir pour ouvrir, non, on va le laisser comme ça. Et ouais, non, du coup, bah si, c'était fait. Allez, fais voir. On va passer par là, comme ça on va regarder. 1, 2, 3, 4. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Voilà. Nickel. Ah non. Ah non, j'ai que... Mais non, mais n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, les amis. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, regarde. Voilà. Ouais, d'accord. Et t'as mené... Aïe, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, les gars. Ah zut alors. Tiens, il y en a encore là, là. On va les libérer. Mais du coup... Ah bah comme tout le monde, ouais, pareil, drague. Pareil, mais tu vois, Amandine, pourtant... Ah pardon. Voilà. 4, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vous êtes toujours un animal? Ah non. Est-ce qu'on les a tous? Peut-être pas, je ne sais pas. Quoi? Comment? Il va falloir se battre, je vous suis. Allez, battez les Mongols, c'est pas un problème. On est comme ça, on va y aller. Ils sont où d'ailleurs? Ils sont tous là, là? Ok. Allez, laissez-nous tranquille. Waouh, du fer. Le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux, les gars. Attends, fais voir, j'avais vu la provision là. 2 secondes, les gars, 2 secondes, je suis à vous. Certainement qu'il y a quelqu'un là-haut. Reste là, monsieur. Bouge pas. On va déjà... Ok. Ah, c'était le chef. Mercredi, j'ai dégondé le chef en 2 secondes. J'avais pas fait attention. Du tout, les gars. Voilà. C'est bien là. Tu vois, j'ai bien fait l'autre jour quand même de prendre le de quoi casser la garde des copains là. Ok. Ah, il y a encore José. Il va se faire dégonder, regarde. Il se fait gang-bang, José. Je les laisse faire ou quoi, les gars? Allez, fais voir. Tiens. Je dois déclencher une alarme pour faire venir Ryuzo. Alors, l'alarme. Tiens, regarde. On va déclencher l'alarme, c'est ça? Allez, déclencher l'alarme. On est comme ça, nous, les amis. C'est vrai, même mon téléphone, t'es en masque. Allez, ouvrez les portes. On va ouvrir. Hein. On les a de toute façon tous dégondés, enfin je crois. Comme ça, il est content. Mais non, mais c'est important, ouais, effectivement, c'est important, les amis. De quoi? Allez, combattez pour la liberté. Y'a quoi? Attends, j'aurais aimé regarder un truc, mais s'il n'y avait pas un ours ou un truc comme ça. Mais arrête toi là avec ton truc. N'importe quoi. Assassiné. J'ai vu qu'il y avait marqué assassiné, tu sais, mais... Elle est vachement efficace cette attaque maintenant, hein, les gars. Je découpe du sbire, tiens, viens là. Ah. Voilà. Attends, fais voir. Ok, c'est nettoyé. Est-ce que... Qui n'en veut? 36-15, qui n'en veut? C'est pour les jeunes qui n'en veulent, les amis. Allez, fais voir. Voilà. Alors on en est où? Il y a lui et on s'en débrouillait quand même. Voilà. Et ici. Ok, bah je pense que c'est bien, on a bien fait le ménage. Et coucou Docteur Wu, n'hésitez pas les amis, j'ai pas encore placé la commande de Docteur, mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je me suis d'ailleurs, j'ai d'ailleurs follow ta chaîne ce matin, je suis allé voir un petit peu. J'y avais été une première fois, mais je sais pas pourquoi j'avais pas follow. Et donc du coup, chose faite, l'erreur est réparée mon doc. Et merci d'être là en tout cas, bienvenue à toi. On a parié sur le temps que vous mettriez à nous sauver, j'ai perdu. J'espère que vous avez du saké. Va jamais me croire. Ok, ça c'est fait. C'est complètement insensé. Que veux-tu dire? Il paraît que les Mongols n'ont pas maltraité mes hommes. Ils leur ont donné à manger. Et des bonnes choses. Je comprends pourquoi ils chantaient hier soir. L'essentiel est qu'ils soient sains et saufs. Pourquoi diable les Mongols les auraient-ils nourris? Ils voulaient peut-être quelque chose en échange. D'accord, mais j'ai vu que t'avais live avant-hier quand même. Les hommes, ton petit anchois sont tout pour moi. Allez, tout ça sort. Merci. Ok, le crochet de fer ça. Allez, mais on retourne à voir Yuna du coup. Quelle heure il est? On va rester encore un tout petit peu ensemble et puis après on arrêtera. Là les amis, ah on va aller, waouh, on va aller mettre un petit peu nos points de compétence effectivement. On va continuer dans le truc. Alors journal mise à jour, l'ombre du samouraï maintenait pour les détails, ok, mais on va y aller de toute façon dans les options. Alors ce qui nous importerait en fait, pour tout vous dire, on va venir là-dedans, dans les techniques. Alors, fais voir un peu ce qu'on a. Alors, vous pouvez gagner un petit peu de détermination en effectuant une parade parfaite. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est briser la garde. Parade des lances flexibles. Parer une attaque impossible à bloquer. C'est pas ça, je veux casser leur attaque, moi. Et une attaque rapide à retardement qui inflige des dégâts au corps à corps et ébranle supplémentaire. Alors c'est pas ça. C'est pas ça. On va aller regarder de l'autre côté du coup au niveau des postures. Qu'est-ce qu'on a? Perforation. Non, ça c'est pas ça. Déluge d'eau. Inflige des dégâts croissants à chaque coup volé. À chaque coup de votre volée, pardon. Et là c'est quoi? Coup de pied du vent. Typhon final, les ennemis projetés par un coup de pied typhon final, peut-être pas du coup. Et là, fantôme, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ah, peut-être on pourrait... Ah ouais, ça ce serait bien un petit peu. On pourrait prendre ça. Sérieux, on pourrait prendre ça. Et qu'est-ce que c'était ça? Après une confrontation réussie, deux ennemis se précipitent vers vous et vous expose un coup fatal, ok. Réduit le délai de concentration, c'est parfait ça aussi, ce serait bien. Ah, assassin, assassin à la chaîne, ça c'est le top. C'est re mon Hudson, re mon chouchou. Ouais, je pense que, ou alors, déplacez-vous plus vite tout en utilisant les coudes furtives. Ah c'est pas mal ça aussi. Hein. Écoute, assassinat à la chaîne, on pourrait faire, ou renforcer le caractère. Et si on revient là, les postures c'est quand même assez important. Tiens, allez, on va prendre ça. On va prendre ça. Comme ça, on a équilibré un petit peu, on a pris un petit peu de tout. Et puis, ouais, je pense que c'est pas mal, écoutez. Ok. Il faudrait regarder si on n'a pas des trucs qui traînent, peut-être, non? Peut-être pas, remarque, tu me diras. Ah si. Ce qu'il nous faudrait surtout, c'est des provisions, c'est bien ça le problème. Les provisions, c'est ce qui manque le plus dans tous ces trucs là. Alors provisions, oui. Kunai, non. On s'en sert très peu finalement. Tiens, provisions là, oui. Kunai, non. C'est les soldats un peu imposants qui ont des provisions. Les autres, généralement, pas du tout. Enfin, beaucoup moins quoi. Est-ce qu'on grimperait pas un tout petit peu plus haut? Tiens, provisions là aussi. Est-ce qu'on a de la provision? Peut-être pas ici. Alors, bon Lolo, j'espère que l'été pro, le barbecue sera dispo. Ah, mais bien sûr, mais tu sais, en fait, il est souvent dispo le barbecue chez nous. Alors, on l'utilise pas, effectivement. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il n'y a rien? Non, il n'y a rien. On l'utilise pas en plein hiver, quoique ça nous arrive. Des fois, on fait Noël sur la terrasse, hein, au soleil, l'hiver. Donc ça nous arrive, hein, les amis, mais bon, c'est pas tout le temps non plus. Tiens, des provisions. On va fouiner un petit peu le camp, là, je suis désolé, mais comme ça, ça nous permettra d'avoir un petit peu des... Tiens. Voilà, des améliorations disponibles, et on en a grandement besoin pour progresser un petit peu dans tout ça. Du cuir, celui-là, provision, bombe fumigène, non, provision aussi. Il avait des kunai. Est-ce qu'on a quelque chose là ici? Je ne pense pas. On fait un petit peu le tour, c'est pas très très grave, on prend le temps de le faire, les amis, on n'est pas pressé de toute façon, mais on a vraiment besoin de provisions en fait. Et là il y avait un grand camp, on a soulevé quand même pas mal d'ennemis, donc je pense que vraisemblablement, on peut quand même faire l'effort de regarder s'il n'y a pas des trucs qui traînent, vraiment. Alors celui-là non, mais l'autre oui bien sûr. Tu vois, parce que vraiment, vraiment ça nous est utile. Là normalement on les a libérés, donc il n'y a pas... Ah tiens, provision. Tu vois qu'il y avait... Mais tu sais, tu viens quand tu veux, enfin c'est dommage, enfin c'est dommage entre guillemets quoi. J'ai mon petit frère qui est en bas dans le studio, mais avant j'avais le studio sous l'hiver surtout, qui était libre et ça aurait pas posé de problème, mais ça pose pas plus de problème, c'est pas grave. Hein. Je pense que si on s'organise, on peut manger un bout ensemble et tu peux venir passer quelques jours ici, c'est pas un souci, c'est juste une question d'organisation en fait. Rien de bien grave. Allez hop, je pense que c'est bon, on va sortir de là. Et mais du coup, qu'est-ce que vous faites les amis? Allez viens, on se fait une confrontation, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, tiens. Hop. Alors je crois qu'il faut rester appuyé, ouais c'est ça. Ok. Et l'autre aussi. Va pour toi. J'aime bien, vraiment j'aime bien là, il commence à être, ça commence à être pas mal. Ça commence vraiment à être pas mal. Déjà je trouve un taf, ouais, déjà tu trouves un taf, il te faut une petite voiture derrière, mais après on peut aller te chercher au train, c'est pas un problème, mais disons que ouais non, c'est mieux de se mettre en place avant, bien sûr, c'est toujours mieux de se mettre en place avant. Allez fais voir, on va prendre ça là qui est juste là, mais c'est avec plaisir, hein. Vraiment c'est avec plaisir. Ok, allez, on va se mettre là, on va aller regarder un petit peu sur la carte, ça a dû le débloquer, peut-être pas, on a un truc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, il faut pénétrer dans le château, il est où le château là? C'est celui-là? Territoire mongol, château de Canada, c'est là? Yes. Eh ben écoute, on peut y aller, hein. On peut y aller, mais j'aurais bien été faire le truc de l'arc long là par exemple. Et on va se mettre ça aussi sur la carte. On a quand même des quêtes secondaires qui sont par ici aussi. Donc on a quelques trucs à faire. Nouvelle selle disponible, ça il faudrait qu'on aille le prendre. Qu'est-ce que c'est? L'ombre du samouraï. Je possède enfin les outils dont j'ai besoin pour sauver mon oncle au château de Canada. Récompense os majeur. Ah, il faut revenir ici? Mais écoute, on va revenir ici. Afficher le journal os majeur, ouais. Et on va venir là aussi. Écoute, on va venir vers le renard et puis après on descendra, on se tépera, on fera un voyage rapide ici. En cas, je pense que c'est la bonne chose à faire. Allez, fais voir. Alors, il était où le renard d'eau des sables? On va faire le tour, hein, bien sûr. On va descendre par là, ouais. Ça évitera le... À moins que... Ouais, il est à 300 mètres. On était... Ouais, on est repassé par là, c'est pas grave. On va repasser à l'intérieur je pense. Tiens, regarde, on va prendre ça, on va prendre un petit peu le bois là. Ouais, on va repasser juste à l'intérieur, c'est pas grave, on va descendre en bas. Et comme ça, on va aller voir le renard. Et après, on se téléportera jusqu'à finir la quête, parce que je pense que c'est pour la finir en fait, tout ça. Enfin, j'espère. Allez hop. Faut laisser se reposer, il n'aime pas courir trop longtemps. Allez. Mais ouais, il était bien libéré ce château là, enfin ce château, ce camp pardon. Quoi? Mais où? Mais non, mais il en reste les amis. Voilà. Voilà, de deux. Encore ou quoi, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? Viendez. Allez, viens. Fais pas ta bégueule, viens. Oula, t'es là. C'est bon, regarde, il y en a un là. Voilà. Allez, fais voir. On va passer par là. Hop. Il est où, gros? Allez, fais voir, on va passer comme ça parce que du coup on voit rien sinon. Allez, viens. Ouais, d'accord. Ok. C'est tout les gars, enfin. Allez, on va prendre les provisions. Ah si, il y en a un autre là-bas, regarde, il s'est caché. Viens. Viens. Alors. Oh. Allez, viens. Viens tâter de ma lame. Viens tâter de ma lame, mon copain. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça, drague. C'est comme ça. Du coup... Par où passe-t-on? On va passer par là. Je crois. Est-ce que c'est par là? Possible. Pas du tout. Tu te... Ah, salut. Y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Je me souviens plus très bien. J'ai la mémoire qui flanche. Voilà, c'est par là. Et il y a notre cheval qui est là. Je sais pas ce qu'il fait, mais il est là, c'est pas grave. On va le laisser tranquille. Ah non, il y en a un autre là, regarde. C'est le cheval blanc d'Henri IV. Bien sûr. Ça ne va pas en être un autre. Voilà, regardez, on est du bon côté. Là, il y a de la fumée là-bas. Il doit y avoir un feu, non? Il paraît qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, pff, moi, j'en déduis que peut-être. Il est où le renard? T'es sérieux? Il est où le renard? On s'est éloigné du terrier du renard, mais t'es sérieux, mon copain? Attends. Bon, alors, écoute, on va pas pousser mémé dans les orties. Tu sais ce qu'on va faire? On va se téléporter, on va se taper là. Tiens, regarde. Il y a un trappeur. Ça doit être David Croquette, il doit y avoir David Croquette dans le coin les amis, et puis on va aller... Je dis que du brin, c'est terrible, c'est affreux. Allez, terrier du renard. Par là. Bon, on s'est quand même un peu rapproché, c'est mieux. Mais il se moque de nous. Salut. Salut. Voilà. On prend les provisions et on y va. C'est par où? C'est par ici. Et nous avait rien fait les pauvres, hein, je le sais. Hein. Mais c'est exactement ça, tu sais. Tu l'as vu le live movie ou pas? Parce que l'amour brille sous les étoiles. En plein jour, c'est compliqué quand même. L'amour brille sous les étoiles. Allez, viens mon copain, on y va. D'une étrange lumière. Je le vois pas. La terre entière, en parfaite harmonie, vit un moment royal. Comment lui dire je t'aime, mais comment lui avouer? Voilà. voilà. Non mais nous on veut juste prier en fait la statue. En fait, débrouillez-vous les gars. Je veux trier la statue. Mais non mais allez, mais t'es sérieux là. À venir faire suer là. Pff, mais t'as vu que moi. On joue au feu. Voilà, mais bien sûr. Bien évidemment. Aïe. Il est où? Il est là. On joue au feu. What? Loupé. Ok, allez, c'est bon. On va aller peut-être prendre la peau d'ours avant de l'avoir tué, les amis. Parce que... Oui, j'ai vu le film, le gros fail de l'année, pardon, du siècle. Tu m'étonnes. Mais clairement, Sonia, mais bien sûr que tu as raison. Ah non, mais tellement, mais trop. Alors, moi, je veux juste... Ouais. Je suis d'accord. Mais en VO, il est très bien aussi, mon Hudson, tu sais. Ce que je trouve incroyable, en fait, pour tout vous dire, on va faire une petite pause dans le jeu, c'est pas grave, on peut en discuter. Ce que je trouve quand même incroyable, quand tu regardes un... Je vais en profiter pour boire un coup. Quand tu regardes un Walt Disney, ce que je trouve complètement incroyable, mais vous allez être d'accord avec moi, je pense, c'est que en France, comme aussi au Canada, je crois, en fait, les acteurs qui doublent sont pas les mêmes. Ceux qui chantent et ceux qui parlent sont pas les mêmes souvent. Et moi, ça me gêne en fait. Parce que si tu regardes aux États-Unis, c'est vraiment des acteurs. Parce que le mec qui double, eh ben c'est le même qui chante en fait. Il n'y a pas de distinguo entre tiens, toi tu fais la voix qui n'est pas chantée et toi tu fais la voix qui est chantée. Et du coup, je trouve ça un peu dommage finalement. Et c'est là où tu vois la pointure des gars, et c'est là où j'aime bien regarder les films en VO finalement, parce que du coup c'est quand même incroyable. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, Drag, mais on s'est tous fait la même réflexion en fait. On brille sous les étoiles, mais en plein jour en fait. Donc t'as du mal à comprendre. Mais comment? Parce que je me souviens plus en anglais, mais la chanson, les paroles en anglais, mais je pense que c'est exactement la même, donc ils auraient quand même pu faire attention quoi. Allez, on est reparti un petit peu. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Allez hop, ça c'est découvert, on est bien. On pourrait le caresser, je crois, non? Est-ce que c'est... Non, tu vois, on peut plus là maintenant. Tout à l'heure on aurait peut-être pu, mais là on peut pas. Alors on va venir par ici et on va venir se TP ici. Mais c'est vrai. Et donc normalement dimanche les amis, si tout va bien, on se fera Sync Twitch. Comme ça vous pourrez choisir des chansons et essayer de tester un petit peu ma voix. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas chanté, mais il doit y avoir du reste, un petit peu de beau reste à la limite, donc on pourra essayer de voir ce que ça peut donner, si j'y arrive encore en tout cas. Alors fais voir. Donc là on a le forgeron, on pourrait aller faire comme on a ce qu'il faut, on va aller faire réparer notre katana et puis après... Yes, je suis là, fais voir. Ah pardon, autant pour moi. Allez, on achète celle-ci comme ça. Il est au maximum du maximum celui-ci. Et maintenant, elle est où, Yuna? Yuna? Ah voilà, elle est là. Tu es toujours là. Tu es déçu. On se fait que de la catanex ce soir. Dès que j'aurai mon grappin, que tu essaierais de changer d'île. J'ai été tenté, je l'avoue, mais tu as sauvé la vie de Taka. Ma dette sera payée quand ton oncle sera libre. Heureux de l'entendre. Va prévenir les autres. Que dois-je leur dire? Nous allons entrer dans le château de Canada pour libérer mon oncle. D'accord. On va peut-être pas y aller maintenant, si, parce que là, sinon on n'est pas... Ah si, maintenant, d'accord. Le jour suivant, château de Canada. On raconte que votre neveu traque mes hommes. Il les extermine. Ah bah fallait pas jouer, hein. Je suis sûr que vous avez fait pire. Vous pensez que nous sommes différents. Mais nous luttons pour la même chose. Non. Nous voulons que notre héritage nous survive. Le sens de l'honneur et du devoir ont forgé le mien. J'ai amené l'ordre sur mes terres et la justice à mon peuple. Vous n'êtes en rien comme moi. Tout comme votre neveu. Pourtant son nom est à jamais lié à votre héritage. Un héritage est bien plus qu'un simple nom. C'est vrai. Votre famille vit ici depuis des générations. Le château de vos ancêtres s'élève au nord, il me semble. Je suis impatient de le visiter. Pendant que vous mourrez de faim dans cette geôle, tout seul, sans aucun honneur. Normalement, dimanche, on fera ça vers 14h, je pense. Si je dois décaler, je vous le décalerai, mais je pense que vers 14h, j'avais prévu qu'on discute un petit peu ensemble, qu'on s'essaye ce jeu, et après, on aurait été faire peut-être une petite game de quelque chose, d'un jeu que vous aurez souhaité. Eh ben bonne piscine alors. Non. Ça va. Bonne piscine Drag. Laquelle de ferme? Celle de Monsieur Seguin ou... Alors l'ombre du samouraï. Eh ben je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on va pas enclaper ça maintenant les amis, je pense pas. Ce qu'on va faire c'est qu'on va, se laisser ici et puis... Non. Alors facultatif, parlez à vos alliés. C'est facultatif les amis. Mais on est où? On est loin? Fais voir un petit peu. Ah non, non, on est tout à côté en fait. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là, on se le fera la prochaine fois ça, vraiment. Mais ce sera avec beaucoup de plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. On va se mettre là, on va venir, on va sauvegarder. Et puis non, on a fait une bonne game, là, c'était une bonne partie. On est à 1h50 de jeu, je pense que c'est bien. J'ai pas envie de rattaquer peut-être ce truc-là. Enfin, après, si vous êtes chaud et que vous avez vraiment envie, on va déjà sauvegarder. Mais je pense que pour ce soir, c'est pas mal. Demain, normalement, on se retrouve sur du Xenoblade Chronicle. Ce sera à partir de 17h30, les amis. N'hésitez pas à passer si le cœur vous en dit. J'espère que votre entrée à tous s'est bien passée, en tout cas. Mais ouais, non, on va s'arrêter là pour ce soir. On va aller faire un raid chez un copain. Je pense qu'on a bien, on a bien joué. On s'est fait à peu près 2 heures. Je vais aller voir ma femme, comment elle va, et mon fils aussi. J'espère en tout cas, les amis, que vous avez passé une très très bonne journée. Demain, ce sera à partir de 17h30, on sera sur du Xenoblade Chronicle et on se retrouve pour de nouvelles aventures très très vite. Juste une petite question. Je suis un peu dubitatif, je sais pas dans quelle mesure, je sais pas comment le placer surtout parce que je vous en avais parlé déjà, j'avais très envie de faire le jeu Avengers, mais on a beaucoup de jeux sur le feu. Alors si c'est pas très très grave et que vous y courriez pas après, ben dites-le moi. Comme ça au moins je me mets pas martel en tête, mais en tout cas je suis content qu'on ait fait ça tous ensemble. C'était vraiment pas mal. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Les amis, que votre entrée s'est bien passée pour ceux qui ont repris l'école, mais ceux qui ont repris le travail, mais que ça se soit bien passé aussi. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve à partir de 17h30 demain sur du Xenoblade Chronicle. Et à très très vite les amis. Ne quittez pas, on va faire un raid chez un copain. À très très bientôt. Ciao, merci. Bye bye. Ok, merci pour le live. Très très bonne soirée ma Soso. Bonne soirée à tous en tout cas. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Un bon début de soirée, un bon apéritif pour ceux qui le prennent. Et puis on va se faire... Alors, qu'est-ce qu'on a normalement il doit y avoir mon petit doigt qui traîne, bien sûr. Et bien écoutez, on va aller avec mon petit doigt. Il fait du Dishonored. Restez avec lui les amis, c'est un gars incroyablement sympathique et fantastique. C'est un copain. Au moins pour ses stats. Passez faire le raid chez lui. Merci et à très très vite les amis. À demain, bye. Une bise, mon doc. Une bise, merci. Merci beaucoup.